J'ai un message pour vous. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez traversé beaucoup de situations. Je vais m'adresser aux femmes. Vous savez, ce n'est pas facile d'être une femme, d'avoir des rêves. D'oser dire ses rêves. Peu importe le pays où tu te trouves. Parce qu'il y a cette barrière qu'on met sur les femmes. Il y a ce frein. Et je sais que quand vous m'écoutez, c'est d'ailleurs la connexion que j'ai avec vous. Vous savez, parfois je reste. Parce qu'il y a une femme en particulier qui prêche. Et j'ai une connexion avec la femme là que je n'ai jamais compris comment. Mais quand elle parle, ça fait le feu dans mon cœur. On a été trop longtemps attachés. On a été trop longtemps dans nos cases. On a été trop longtemps. Tu es dans une réunion, tu vois comment quelqu'un, tu vois comment tu peux lui montrer que fais comme ça. Ça marche. Mais parce que tu es une femme, ta parole, c'est comme le vent. Vous avez été dans des relations où on vous a piétiné. On vous a sali. On vous a défini par la bague sur votre doigt. Tu as 5 enfants avec 5 pères différents. Voilà une raison pour laquelle on va te juger. Vous savez, je pense que il est temps que tu te lèves. Toi qui m'écoutes là, tu n'es pas tombé ici par hasard. J'ai un message très clair à te donner. Premièrement, il est temps que tu commences à comprendre que le pouvoir qui est en toi. Je ne peux pas vous dire combien de femmes mariées j'ai sur ma page. Vous me suivez. Vous savez que si vous n'étiez plus dans cette relation où vous vous sentez bloqué, vous seriez très loin aujourd'hui. Vous avez l'impression de traverser la vie. On vous a déjà tout minimisé. En fait, il y a une lionne dans ton corps. Il y a une lionne dans ton corps. C'est pour ça que quand tu étais dans la relation, là, tu ne pouvais pas tenir. Parce que quand tu fermes même sa bouche dans la journée, dans la nuit, dans les rêves, tu te vois devant une armée en train de courir. Tu te vois en train de diriger, genre, allons à la bataille. Il y a une lionne dans toi. Une personne qu'on ne peut pas dompter. Ne confondez pas la destinée ou la mission de vie avec le statut dans la société. On va dire que je suis aussi mariée, non? On va dire que j'ai passé de longues années de célibat. Célibat choisi, s'il vous plaît. Parce que je savais que la lionne qu'il y a dans moi, si. Il y a trop de personnes que je vais aider. J'ai trop de prisons à ouvrir avec ma bouche. Et si vous ne comprenez pas, ce sera peut-être tard bientôt. C'est pour ça que tu souffres.
as conseillé ton mari 50 fois et au fils d'écouter. Tu dis pas à gauche. Quand c'est toi qui es allé à gauche, il va à la droite. Comme c'est toi sa femme, tu as dit va à gauche. Il check, il voit qu'à gauche, c'est là où il doit partir. Pour te prouver que tu es folle, il va partir à droite. Vous savez ce que ça fait? Ça diminue ton pouvoir. Te voilà dans le boulot où tu es là. Tu forces, tu pars. Tu forces aussi, tu forces. Tu sais que tu peux créer quelque chose, ça marche. Tu sais que tu peux lancer un truc, ça. Tu sais que si tu ouvres, tu n'as pas de restaurant. Tu sais que si tu... Tu sais en toi. Ah, si je ne fais pas là-bas, je vais faire comment? Te voilà. Écoutez, hein, je suis venu vous dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je dis bien, le temps est arrivé. Certaines parmi vous, vos enfants sont votre support. Quand tu te mets dans la pièce comme ça, là, tu es dans la maison avec tes enfants. Vous vous mettez, vous organisez quelque chose. Ils te donnent l'énergie. Tu leur donnes l'énergie. Tes enfants te donnent l'énergie. Tu leur donnes l'énergie. Les plans. Bap, vous vous réveillez à temps. Vous partez faire le sport. Vous organisez. Vous vendez. Vous êtes en ligne. Dès que le père arrive. Écoutez-moi bien. Je ne refuse pas que vous vous mariez ou quoi que ce soit. Mais il y a un appel à l'intérieur de vous. Que vous refusez d'écouter depuis. Et c'est en train de vous travailler. Tu sais combien de femmes, avec ta parole seulement, tu sais combien de femmes tu peux libérer? Tes conseils que tu t'assois, tu parles, tu sais combien de femmes tu peux aider? Est-ce que tu as même idée? Toi, il suffit seulement que tu sois dans un environnement pour que les gens se sentent motivés. Il suffit seulement que tu écoutes quelqu'un, tu lui dis, fais comme ça. C'est toi, hein? Mais on vient te faire croire que, voilà, regarde. Il faut d'abord que tu te situes, tu dois d'abord te marier. Tu dois d'abord faire l'enfant avec tel homme. Tu arrives, est-ce que c'est facile alors avec l'homme là? Il te fait monter, oh. Tu crois, tu fuis, tu montes, tu descends. À la fin, tu es fatigué. Je suis là, je te parle pour que tu te comprennes. Comprends-toi. Et le pire, c'est que quand tu aides les gens, tu es contenté. Tu vois, quand tu aides quelqu'un là, tu sens l'énergie dans toi. J'ai beaucoup de personnes qui ont dit ça, qui ont parlé de l'équipe téléphonique là. Donc, envoyez-moi un message sur WhatsApp encore, s'il vous plaît. Ça, c'est un chemin. Tu es en train d'être façonné, ma chérie. Tu es comme le truc qu'on est en train de faire. On te façonne. Plus tu parles, plus tu as confiance en toi. L'année passée, tu avais seulement une idée. Tu n'avais jamais aidé quelqu'un. Cette année, en 9 mois, tu as déjà aidé. Chaque mois, tu as aidé 3 femmes. Multiplie par 9. Tu as 27 femmes que tu as déjà aidées. Dieu te montre ta direction de vie. Ça m'a rappelé quand le corona a éclaté en mars 2020. Je vivais dans mon petit appartement avec ma fille. Ça faisait 9 mois que j'étais au pays.
Mon argent était fini. J'ai rasé mes cheveux. C'était une de mes vidéos de 2020. J'ai rasé mes cheveux en mars 2020. J'ai repris tout dans la base. Seigneur, s'il y a quelque chose que je suis censé faire dans la vie des gens, je vais faire. Maintenant, il faut le dire, les gens regardaient. J'ai même 10 vues, j'ai 15 vues. Le temps, il faisait 2 personnes me regarder. J'avais souvent 1, 2, 3 personnes qui m'ont mis leur témoignage. Waouh, tu m'as aidé, merci. C'est un décepticon qu'on vient, je les aide, ils disent merci. Après, 2 mois plus tard, ils deviennent maintenant des décepticon qu'on vrai là. Il dit que toi, tu me remerciais, ça fait 2 semaines, non? Comment je suis devenu finalement ton démon? Petit à petit, je construisais. Je construisais, je faisais des ateliers. Il y avait des ateliers que je faisais, une personne venait. Certains, je lance, même personne ne vient. Je lance l'autre. J'ai lancé le premier en 2018, en juillet. Il y avait 4 femmes qui sont venues physiquement. Une était partie de Rennes à 6 heures de Reims. Elle a pris la voiture, 6 heures de conduite. Pour venir s'asseoir, travailler avec moi pendant 4 heures de temps. Après, il est parti à l'hôtel, elle a dormi. C'est là que j'ai compris que il y a la main de Dieu sur ce que je suis en train de faire. Vous devez comprendre que ce n'est pas. Beaucoup de personnes autour de toi connaissent ce que Dieu a mis comme puissance en toi. Et vous passez chaque jour sur ma page, là, vous croyez que c'est blague. Ah, Jocelyne, j'ai toujours su que tu avais ça en toi. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit? Il y a 5 ans, tu ne m'avais jamais dit pourquoi. Ton ex là, quand il t'a laissé même l'argent de garniture, tu n'avais pas. Tu dis, bébé, je veux commencer un petit commerce. Il te donne 10 000 pour commencer. Tu prends 10 000 là, en 2 mois, tu as le fonds de commerce de 100 000. Il y a la puissance en toi, ma chérie. C'est toi qui ne voyais pas. Tu dis que tu coiffes même à la maison pendant que tu as accouché. Il rentre le soir, il fait 5 femmes assises. Vous attendez qui? Nous, on attend que ta femme finisse pour nous coiffer. L'onction était déjà dans toi. Je vous dis toujours que moi, je n'ai pas commencé par les kits que je vendais à 65 000. Je coiffais. J'étais en Angleterre, je coiffais. Je coiffais, me lève debout 5 heures de temps. Je fais les trucs, je tresse. On me donne 50 pounds. 5 heures de temps. Tu ne sais pas, peut-être la prochaine client va venir encore dans 2 jours. Après, je vois comment les clientes aiment ce que je fais. Le jour, il dit que je vais arrêter. Non, please, don't stop, please. J'aime tes mains. J'aime te parler. J'aime venir chez toi. Il dit que, mamie, il n'y a pas de chaises chez moi. J'ai seulement mis 2 chaises en plastique. Non, I like being around you. I just like it. Ah, donc, il y avait quelque chose en moi. Wow. Que depuis que je viens me tresser chez toi, j'ai repris confiance en moi. Parce que quand tu la coiffes, tu lui parles. Certains d'entre vous avez du coaching en vous depuis longtemps. Maintenant, l'homme vient, il t'épouse. Quand il t'épouse maintenant, il voit comment 2 femmes viennent. Hey, vous marchez en route. Hey, maman, monsieur, votre femme a changé ma vie. Vraiment, monsieur, merci. Maman, merci, regarde ce que tu as fait dans ma vie, mamie. Regarde, je t'ai écouté, j'ai lancé mon business. Maintenant, la jalousie commence. Pour rentrer le soir, la nourriture que tu as préparée, elle va te dire que ce n'est pas bon. Et tu sens que ça, c'est une attaque personnelle. Moi, je dis toujours que tu ne
connais pas les prières que j'ai priées, papa. Tu ne connais pas ce que j'ai demandé à Dieu. Tu ne connais pas les sacrifices. Le genre de sol sur lequel j'ai dormi parce que je faisais la nuit de prière. Que Dieu donne-moi, appelle-moi, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Une fois, j'ai fait 10 jours sans manger. Je buvais seulement. J'ai lu le livre de... Il est évangéliste allemand. Il met des lunettes comme ça. C'est Christ for All Nations. Je ne sais pas comment on l'appelle. Le porteur de Christ for All Nations. Bonjour la reine Sarah. Je te fais plein de cœur. Pendant les 10 jours là, j'ai lu son livre. Quand je lisais son livre, je sentais le feu dans mes mains. Moi, petite femme que j'avais, ma petite fille de 5 ans, elle avait peut-être 4 ans de temps là. Oui, c'était 2013, elle avait 4 ans. Je n'avais pas de papier. J'arrivais même à l'église comme ça là. Je partais une église de blanc. Oh. En fait, on disait que moi je suis rêveuse. Bonsoir les gens qui me mettent des têtes de mort là. Comment ça va? Oh, bienvenue à mes ennemis. Asseyez-vous, prenez là. Il n'y a pas de clim dans votre salle. Ok? Mettez-moi mettez des pouces comme ça. Et là, on m'insultait que je suis trop rêveuse. Que je crois que Dieu va tout me donner. Que j'aime trop l'adoration. Je travaillais 50 pounds. Je comme ça, Dieu me dit, prends 30 pounds, prends 40 pounds, pas donner à telle personne. Donc ça, c'est plus de la moitié de mon salaire de la semaine. Les croquettes, les caramels que j'ai vendus là. Je porte, je donne. Et quand je donne, le Seigneur me dit, vous devez savoir écouter vous-même le message de Dieu dans votre cœur. Que comme tu as obéi, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te donne l'onction, je te donne ça, je te donne ça, c'est tu m'as donné depuis 2013. Après ça, tu traverses bien sûr les étapes de chercher aussi le gars. Après, tu te perds. Après, tu dis que tu obtiens les papiers, tu commences à vouloir travailler comme tout le monde. Après, vous dans le rêve, le Seigneur te remet encore. Tu te vois dans le rêve en train de prier pour les gens qui guérissent. Tu te vois en train de parler devant une assemblée de personnes. Tu te vois en train de motiver les gens. Tu te réveilles, tu dis que la direction que je suis en train de prendre là, ce n'est pas pour moi. Je suis en train de partir vers un mauvais chemin. Tu dis maintenant que ok, je vais devenir coach, public speaker. Tu commences. Je vais organiser les réunions où je motive les femmes. Moi, ma première réunion que j'avais organisée en Angleterre, personne n'est venu. J'avais fait le foléré parce que je n'avais même pas l'argent pour payer. Je n'avais pas l'argent pour acheter même le jus. J'ai invité les Camerounais. Et je crois qu'à la période là, j'étais obsédée par l'esprit de Martin Luther King. Je voulais changer la vie des Camerounais en Europe. Je trouvais que les Camerounais qui arrivaient en Angleterre, ils ne s'instruisaient pas. Ils ne parlaient pas l'anglais. Ils ne cherchaient pas à savoir comment le système fonctionne. Et moi, je voulais leur montrer que, regardez, moi, je n'ai même pas de papier. Mais regardez comment je m'en sors. I can speak English. Anglais que j'ai appris moi-même comme ça, en tressant les gens. Je les ai invités. Je me rappelle, je voulais faire mes croquettes et mes caramels que je connaissais faire. J'ai fait le foléré. Personne n'est venu. L'heure, je me rappelle, 16h arrive, je regarde. Je regarde la porte, j'attends. 17h. 18h. Quand j'ai réalisé que personne ne venait, j'ai emballé encore mes choses. J'ai dit qu'il faut pas que ça attrape le froid. Peut-être demain, pas encore vendre ça. J'ai gardé. J'ai gardé. Quelqu'un va venir aujourd'hui, va me voir, il va dire, tu fais les choses et les gens viennent. Quand ça s'est passé en 2015, j'ai même voulu laisser. Et la prochaine fois qu'on se voit, ils ne font même plus allusion que tu nous avais invité. Non, ils ne parlaient plus de ça, que c'était comment ou bien. Ils ne disaient pas que je m'excuse, je n'ai pas pu venir.
J'ai compris que l'appel, cela, peut-être ce n'est pas seulement pour les Camerounais. Peut-être je ne suis pas au bon endroit. Peut-être ce n'est pas la bonne saison. En attendant, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je vais faire. Vous savez bien sûr que de l'Angleterre, je suis partie en France, de la France, je suis venue au Cameroun. Mais s'il y a une chose qui était restée constante, je n'ai pas arrêté de motiver les gens. Je n'ai pas arrêté de dire aux gens, poursuivez vos rêves. Parce que je suis conscient que c'était, vous m'écoutez aujourd'hui, c'est dans 5 ans que pour vous, ça va se déclencher. Je vous parle de 2013, on est en 2022. Ça veut dire que j'ai fait 9 ans avec ça dans moi. C'est la 9e année que vous tombez sur mes vidéos. Je ne peux pas vous dire le nombre de découragements. Le nombre d'hommes qui va venir dans ta vie te regarder. Soit tu laisses ça, soit je pars. Je laisse un peu, je reste avec la personne. Dans la nuit, les rêves, le Saint-Esprit dit revient. Après, il lui dit que tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois continuer l'autre là. C'est ma mission là-bas. Et je dois être avec quelqu'un qui a une mission pareille. Vanessa, je n'expliquerai pas les bains de début du mois, tu as compris? Quand vous venez me trouver, je parle de quelque chose. Si vous n'avez pas de sujet, je vous bloque. C'est ça que vous n'avez pas être sérieux. Je vous bloque, cache. Vous allez avoir des découragements, de la jalousie, des distractions. Parfois, tu vas rester comme ça, tu vas trouver un homme, il a tout. Tout ce que tu as demandé quand tu étais encore pampampé. Il a le chocolat sur le ventre, il a un bon boulot, il n'est pas spirituel. Tu laisses ta mission que tu avais commencé, ton local que tu avais loué, même tu payais avec ton propre argent, tes vidéos YouTube là tu avais commencé, tu laisses tout, tu te mets avec le gars. 6 mois plus tard, poup, ça capote. Ça capote comme Pierre. Tu dis, dans la nuit, l'esprit te dit, repars sur ta mission. Repars sur ta mission. Je sais que vous avez beaucoup de vieilles, je sais. Souvent, tu restes, tu m'écoutes. Oui, je vais faire ce qu'elle dit. Je vais faire tout ce qu'elle dit. Oui, c'est bien. Tu m'écris, même tu dis oui, j'ai fait comme ça, là, ça s'est passé. Un mois plus tard, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Tu as disparu. Tu as pris la claque. Tu as fui. Et parfois, il y a des distractions qui te prennent beaucoup de temps. Il y a des détours qui te coûtent 2 ans. Je viens te dire ceci. Tant que tu ne te lances pas dans le feu, tu ne sauras pas ce que c'est que d'être une flamme. On n'observe pas le feu de loin. Oh oui, le feu, il est jaune, souvent il est bleu. Souvent, il faut qu'il a besoin d'oxygène. Ouais, le feu. Jump in the fire. Beaucoup de choses vous retiennent. Ça vous affaiblit. Ouais, si je laisse ça, je vais faire comment? Je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment pour... Il va m'aider pour telle chose. Depuis 5 ans qu'il a dit qu'il va t'aider. 5 ans. Il te tourne toujours comme ça. Les gens de l'Europe, là, vous êtes trop forts pour ça. Vous allez voir une fille qui vient d'arriver en bain. On va lui dire, non, calcule l'homme-ci. Il a les papiers. Il a les papiers. Non, tu calcules bien, il est bon. Ma chérie, quand tu le calcules là,
Lui-même, il te calcule. On va voir celui qui va calculer l'autre plus que l'autre. 5 ans plus tard, te voilà. Découragé, amoché, fatigué. Déçu. Pour avoir sauté dans le feu il y a quelques années, je ne regrette pas. Mais j'ai eu des saisons difficiles. Peut-être vous traversez aussi vos saisons difficiles. Des saisons de doute. Des saisons d'attaque. Mais aussi des saisons de confirmation. Que tu restes comme ça, que quand tu te trouves en route, il s'assoit à côté de toi pendant 5 minutes. Il te parle de toi. Il te parle des rêves que tu as dans toi. Tu te rappelles que tu as demandé ça. Voilà, le Seigneur va te donner. Tu te rappelles que tu as demandé ça. Je vois que tu as le don de la chanson. Ne t'inquiète pas, ton temps arrive. Et tu es assis à la gare de train. Hein. Tu n'as même pas ouvert, tu vas pas ouvrir ta bouche. La personne ne sait même pas que tu chantes. Je vois que tu as commencé à écrire. La personne ne sait pas que dans ton cahier, dans ton sac, il y a un cahier que tu étais dans le train, tu étais en train d'écrire même, avant d'arriver à la station. Quand vous avez ces moments-là, conservez-les comme des joyaux. Tu prends, tu déposes ça quelque part comme un trophée. Quand c'est dur, tu regardes, tu dis, non, il y a 6 mois, une personne m'a confirmé. J'ai vu quelqu'un dans la rue. Oui. Il y a 2 mois, j'ai fait un rêve. Je me suis vue en train de chanter devant une foule. Je sais que ça arrive. Non, j'ai une cliente là. Je fais les crèmes pour les cheveux. Malgré les 10 clients qui m'ont insulté, la cliente est venue me dire que mes produits marchent, que je l'ai beaucoup aidé. Elle m'a encouragé qu'il faut que je continue. Tu t'agrippes sur un témoignage là. Tu continues ton chemin. Et à un moment, ce sera la routine pour toi. Ce sera la routine. Tu vas parler aisément. Ta voix de crapaud, là, ce sera déjà transformée. Mm-hmm. Tu vois comment tu chantes actuellement, là, ça fait... Oui. Mm-hmm. Ta voix que tu as actuellement, là, ça fait un genre, là. Je me rappelle, j'étais à Christ Embassy. Vous pensez que j'ai une belle voix maintenant, hein? J'étais à Christ Embassy en 2012. Il y avait une fille qui avait une belle voix. Je l'admirais toujours. Je passais dans la chorale. Ma copine m'avait convaincue d'entrer dans la chorale. Et là, un jour, le Seigneur me donne une parole que je vais chanter. J'ai dit, hein? Ma voix, ouh, je n'osais même pas chanter moi-même en ma propre présence. Et un jour, elle nous racontait, elle nous encourageait dans la chorale. Elle dit, vous savez... Il y a 5 ans, quand je suis arrivée à l'église, ma voix était médiocre. Mais je m'entraînais beaucoup. Et voilà, 5 ans plus tard, quand on fait les conférences régionales, on me choisit, on me sélectionne pour que je puisse chanter devant. Et tu ne vous découragez pas. Jusqu'aujourd'hui, hein, ça fait 10 ans, je me rappelle de cette parole que la fille avait donnée. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas pris de cours particulier. Mais il y a des moments où je peux manipuler ma voix, quand même j'écoute, je dis waouh. Quand Dieu te donne une promesse, il te met un rêve, une vision à l'esprit. Dieu fonctionne avec la semence. Dieu ne fonctionne pas, Dieu ne part pas au restaurant pour acheter le truc qu'il est après. Dieu va t'envoyer au marché. Il va te dire va acheter les condiments ici, tu achètes le piment, tu prends le jansan, tu vas marcher dans 10 endroits pour acheter 10 ingrédients. Tu déposes sur la table, ça ne ressemble pas à la nourriture. Tu dis, assois-toi, tu prépares. Dans le processus de préparation, qu'est-ce qui se passe? Écrivez, vous me dites.
Dans le processus de préparation, qu'est-ce qui se passe? Tu te brûles les doigts. Tu apprends à préparer. Tu goûtes quoi d'autre? Tu rates la cuisson. Après, tu réussis. Voilà, on lave, on découpe, on écrase, on monte, on descend, on fait ceci, on fait cela. À la fin, quand tu prépares, c'est bon. Premièrement, tu as accompli quelque chose. Deuxièmement, tu peux te placer, tu montres à quelqu'un d'autre. Tu es devenu maître dans ton art. Certains parmi vous, vous fuyez le processus d'apprentissage. Vous fuyez. Le gaz est fini, oui. Tu peux acheter l'autre gaz. Tu apprends la patience. L'huile peut, avec les oignons, peut être au feu. Le feu s'éteint, tu laisses. Tu peux acheter le gaz et tu reviens. Tout ça, ça fait partie du processus. Quand tu t'assois pour manger ta nourriture, oh, tu savoures. Et vous ne le croyez peut-être pas, tu as encore plus confiance en toi. Il y a des repas que quand tu fais, c'est pour ça que tu arrives dans une maison, on te dit, oh, il n'y a pas de cube. Il y a seulement un peu de sel avec les oignons, un peu de riz. Deux munga. Tu dis, venez avec ça. Apportez-moi ça. Tu peux pas, tu ne goûtes même pas le salaire. Les femmes qui préparent quand elles jeûnent là, prenez-vous pour aller ici là. Tu jeûnes, mais tu peux pas la nourriture, c'est bon. Tu as pris la confiance de ça où? Parce que tu connais que quand tu prends le sel, tu poses là deux fois. Ça donne. Ça donne. Et oui, tu peux même améliorer la recette. Tu améliores ça, tu rends comme ça à ton propre goût. Moi, je suis chef pour personnaliser les recettes. Voyo, je peux mélanger la nourriture des Bamenda avec la nourriture des gens de centre. Je mets avec la nourriture des Italiens. Je te fais une lasagne de héros. Oui. Lasagne de Waterleaf avec le coq. Oui, oui. Il met tout ça ensemble. Après, tu goûtes. Et tu manges, c'est bon. Hein? Tu manges, c'est bon. Maintenant, tu vois quelqu'un d'autre qui vient. Elle vient d'acheter ses ingrédients. Elle a peur. Tu es en mesure de lui dire que non, ne t'inquiète pas. Viens. Pour préparer, sois d'abord calme. Aie confiance en toi. Elle voit comment tu as confiance en toi. Elle dit, elle se relaxe d'abord un peu. Elle est un peu décontractée. Elle voit comment tu prends, tu lances un mandat, tu te restes à distance, tu fais. Tu prends l'eau. Tu fermes. Elle dit que, hein? Parce qu'il y a quelque chose que tu as acquis dans le processus. Mais quand tu brûlais tes doigts, en brûlant, on va dire que je ne veux même plus faire ça. Je ne veux plus. Je ne peux pas au restaurant, je m'en tue. C'est tout un processus. Et quand vous voulez sauter les étapes, vous vous retrouvez en train de recommencer. C'est surtout les femmes de l'Europe qui vont comprendre ce que je dis. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés en Europe, vous avez vu certains hommes, vous avez voulu, au lieu de prendre ton cheminement que Dieu t'a donné, tu as voulu sauter les étapes en partant avec l'homme-là. Ça t'a coûté 8 ans de ta vie.
8 bonnes années. Dieu est en train de t'appeler à mettre la droiture sur tes choses. La destination de Dieu, on ne prend pas les détours du mensonge. Jamais. Il va falloir un moment que tu laisses tomber. Tu arrêtes avec le gars. Tu pars avec celui que tu aimes vraiment. Tu ne cherches rien derrière lui. Ou tu restes seul. Tu lances ton petit business seul. En 5 mois, ça a grandi jusqu'à tu ne comprends même pas. Tu es devenu star sur TikTok. Alors qu'il t'a abandonné avec 3 enfants, il disait que ta vie est finie. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. J'ai dit toujours, c'est dans 10, 15 ans. Je me rappelle en 2016, je suis partie chez une de mes cousines. Quand je me suis placée dans sa maison, elle avait une grande maison en Europe. Je regardais, je ne sais pas pourquoi l'esprit me disait, tu auras quelque chose de même plus grand que ça. Je ne sais pas comment ça pouvait se faire. Mais l'esprit m'a dit, la vie ce n'est pas la course, mais c'est de laisser le temps et de ne pas fuir le travail qui doit se passer dans soi. Il m'a dit, dans 10 ans, tu te verras. Et là, je pense que ça déjà, il reste peut-être... il reste 4 ans encore. Mon esprit est là tellement développé, tellement. Parce que pour que tu supportes les choses que tu désires et que tu as demandées, tu dois devenir une autre personne. Tu as besoin du mental. Il y a des gens qui ont des factures mensuelles de 20 000 euros dans leur maison. Toi, tes 20 000 euros, c'est en une année que tu gagnes ça. Tu vois que si Dieu te donne ça là, tu ne vas pas tenir, non? Hmm? Il faut que tu grandisses d'abord et que tu deviennes la personne qui peut entretenir. Pour avoir les dépenses de 20 000 euros le mois, il faut peut-être que ta maison soit dans les 2 millions d'euros. Le personnel, tout ce qui va avec. Ne fuyez pas le processus. Et permettez-vous. Allow yourself. Je n'ai pas dit que ce qui compte, c'est le voyage. C'est ce que tu apprends pendant le voyage. On peut te donner les ingrédients. Tu peux appeler quelqu'un d'autre qui vient préparer pour toi. Tu n'aurais jamais appris. Tu peux être dans un pays, tu n'as pas de papier. Tu peux chercher une autre personne, tu vis avec la personne, tu voles même. Tu voles rapidement, pap, tu commences à vivre. Mais tu cherches un gars qui a les dos, tu te mets avec lui. Donc c'est important pour vous de comprendre que
Ce processus dont je parle, c'est un processus qui te permet. Les gens qui font, ils achètent des avocats qui ne sont pas, ils que les avocats qui ne sont pas grands là, ils pas te bouillir. Tu achètes l'avocat, ça, tu appuies, c'est mou. Tu arrives à la maison, tu ouvres, c'est pas bon. C'est ce genre de personne en fait. Un peu fuit le processus. L'univers a déjà mis le processus, ça marche. Ça a déjà commencé. Ah oui, oui. Merci la reine Sarah. Merci aussi à toi, Guijol. C'est une dame ou un homme. Et c'est important pour vous à certains moments de comprendre que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrive. Oh. Ok, c'est pas encore, peut-être c'est pas encore là physiquement, là, je ne peux pas encore toucher. Mais je suis convaincue. C'est pour ça que je donne ma vie à ça. C'est pour ça que tout l'argent qui en a mes mains, j'investis, je paye le studio avec mes propres fonds. Je loue le local, je fais les trucs. Quand tu fais ça, on dit que tu es folle. Tu n'as rien à faire ton argent. Je crois, je suis là dans. Tout mon esprit est là dans ça. C'est ce qui vient maintenant influencer mes actes. Et vos Decepticons sont là. Vos Decepticons sont à côté de vous. Ils vous guettent. Ils vous calculent. Ah, elle là. Pardon, ne lui disons jamais que ce qu'elle fait est bien. Ne lui disons jamais qu'elle peut encourager les gens. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas physiquement, mais de ce que tu connais. Je ne vois pas, mais je sais. C'est différent. Donc je suis venu aujourd'hui pour ouvrir votre esprit. Et je viens vous annoncer qu'on va faire une conférence. Parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur énormément. On va faire une conférence. Et je veux que ce soit une sorte de retraite aussi. Donc vous venez pour 3 jours. 3 jours. Vous avez besoin de d'onction. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous concentrer. De vous recharger. Donc, je vais vous proposer 2 dates. Celle qui sera, qui va arranger la majorité des personnes, on va tenir. Donc je vous propose d'abord décembre. Le problème, c'est que beaucoup de personnes en Europe, vous avez des emplois de temps comme ça. Et je vous propose février. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, février, on peut calculer exactement autour de la Saint-Valentin. Donc, ça se fera au Cameroun. Je préfère. Donc, ceux qui doivent demander les visas, vous aurez du temps pour ça. Donc, si c'est décembre, avec Noël que les gens prennent, privilégient tellement. Donc, on va organiser des votes. Je crois que je vais faire des votes. On va mettre un post avec des votes. Et puis, je vais voir ceux qui vont le plus voter, ce que vous allez le plus choisir. Donc, pour décembre, il faudra que ce soit entre le 15 et le 18. Comme ça, le 20, déjà, vous êtes rentré pour faire votre fête chez vous. Et puis, février. Donc, j'ai aussi besoin d'une... c'est une dame qui peut être... qui fait des organisations d'événements, là. Si vous m'écoutez, vous savez faire ça, contactez-moi. Parce que je suis en train d'élargir mon équipe. Donc, il y a beaucoup d'événements qu'on va organiser, même en Europe.
Donc, on a besoin de... J'ai besoin des gens qui vont vraiment faire ce truc d'organisation d'événements, là. Vous n'êtes pas pauvre, je sais. Donc, même si on dit qu'on va faire dans un hôtel 5 étoiles à Paris, je sais que vous allez venir. Ce n'est pas un souci pour vous là-bas. Donc, s'il y a des personnes ici qui ont des capacités d'organisation d'événements, vous serez rémunérés, bien sûr. Ce n'est pas que vous allez venir travailler gratuitement. Soit on peut déterminer, on va à Dubaï. Donc, je pense que voilà la troisième option. On fait ça carrément à Dubaï. Donc, ceux de l'Europe, vous venez à Dubaï. Ceux du Cameroun, vous partez à Dubaï. Donc, je pense que c'est un peu plus... C'est un peu plus... Je pense équitable pour tout le monde. Voilà. Mais... je rêve d'un endroit où vous allez venir avec les business que vous avez créés, avec les livres que vous avez déjà écrits, avec les albums que vous avez déjà chantés, en nous invitant, peut-être vous venez chanter même deux de vos chansons. Un moment où on va s'encourager, s'épauler. Parce qu'on manque beaucoup de support. Les gens sont trop jaloux de nos jours. Je ne sais pas ce que la jalousie profite aux gens. Mais la jalousie, c'est un autre niveau de hélèle que je ne comprends pas. Alors que parfois, tu as seulement besoin d'une parole comme ça, ça te soulève. Donc, il y en a parmi vous, vous avez des capacités d'intercesseur. Vous, si vous êtes vraiment dans la prière, c'est vraiment votre fort. Si vous avez des contacts, des gens qui ont des agences, j'ai une déjà en tête qui a une agence de voyage. Donc, je crois que je vais la contacter. Si les côtés voyage, elle peut coordonner les billets d'avion, tous ces blabla là. Parce que ça va m'arranger. Bon, mon WhatsApp est sur la page 693-50-22-66. Donc, 237-693-50-22-66. Donc, gardez le moral haut et continuez. Sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ça ne peut qu'aboutir. Ça ne va qu'aboutir. Voilà. Donc, bonne soirée à vous.